Gloire à Dieu, vous nous venez du Koweït. Vous avez une série de témoignages pour glorifier le nom du Dieu du Papa Florian. Allons-y. Et salut le peuple de Dieu et Papa Florian. Paix à tous, Peggy. On te salue aussi. Amen. En fait, mon témoignage, c'est tellement beaucoup, mais je vais prendre un peu. Quand j'étais partie en 2017, Koweït, le 23 décembre 2018. C'est Koweït chez les Arabes, Koweït, hein? Oui, Koweït chez les Arabes, Koweït, non, c'est pas Koweït d'Abidjan. D'Abidjan, ok. J'ai fait un songe que je devais faire accident dans le songe. Mais, avec le Dieu de Papa Florent, quand il m'a protégée, ils ont pris mon cousin. Il a fait accident le 23 décembre. Donc le 23 décembre, ça fait un an. J'ai béni le nom du Seigneur. Et mon deuxième témoignage, c'est les enfants que je suivais là, les petites là. Bon, il y avait une petite attaque au niveau des enfants. La nuit, je ne dormais pas à cause des enfants. La petite, elle criait beaucoup. Sa maman même ne sait pas qu'est-ce que se passe. Mais il y avait aspergé dans la chambre de la petite et ma chambre. Et puis ma douche et la douche de la petite. Donc moi, je savais ce que se passait déjà. Donc souvent, quand il y a personne, je sens qu'il y a quelqu'un qui marche dans la maison. J'essaie de prier, je mets les cantiques là pour prier. Une nuit comme ça, la petite a commencé à crier. Personne ne dort pendant un mois. Donc je prenais le sang de Jésus, quand sa maman n'est pas là, je prenais le sang de Jésus, je mettais dans le biberon de la petite et je lui donne. Pendant 2 semaines, tout a arrêté. Et ils m'ont attaqué maintenant. Quand ils m'ont attaqué, c'était sur mes yeux. La photo même est dans mon téléphone. Toutes mes yeux sont devenues rouges comme le sang. Je ne voyais pas. Mais ma tête était enflée. Maintenant, quand je suis partie me coucher, j'ai mis la serviette sur ma tête. Et je priais et dis, le Dieu de Papa Florian, sauve-moi et guéris-moi. Et en songe, j'étais partie chez mon papa. Mais lui, il est décédé il y a longtemps. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, ah papa, où je suis arrivée là, je ne peux plus retourner. Il dit, pourquoi? Je suis là conçu, ce n'est pas fini. Mais va voir ta grand-mère, elle va te donner quelque chose. Donc, je suis partie, il m'a donné thé. J'ai pris. Quand j'ai pris le thé, et ma maman était venue, elle dit, mais où tu as quitté là? Mais tu ne trouves pas un mot il y a longtemps? Il dit, non. Mon père, là, il a atteint le conseil pour nous. Il dit, non, il ne faut pas te retourner là. Donc, quand je partais dans le songe, là, il y a une fois qu'il me dit, la nourriture qu'on mange là, tout envoûté. Soit toutes les choses, poissons, les condiments. Donc, on paye la nourriture, on va prier d'abord avec son sang pour qu'on puisse préparer pour manger. Les enfants ne savent pas prier, mais on va prier sur le marché avant qu'on va préparer. Et ok. Donc, quand je me suis levée dans le son, j'ai prié. Et la voix me dit, ah, je t'ai dit quelque chose que tu n'as pas dit. Prends ton téléphone, fais au Dieu, puis tu balances à tout le monde, tous tes camarades que tu connais à Koweït. Effectivement, quand j'ai pris le téléphone, j'ai fait le Dieu. Ça m'a laissé maintenant. Et puis, j'étais libérée. Mes yeux me faisaient mal. Tout ça là, c'est quitté. Un coup, mes yeux sont devenus blancs. J'étais maintenant libérée. Tout ça là, j'ai béni le nom du Seigneur. Parce que le Dieu n'est pas venu avec moi. S'il n'était pas avec moi, depuis fort longtemps, j'étais morte. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Mm-hmm. Si je peux monter la photo. Oui, on va prendre la photo et puis la montrer. Merci d'être venu pour ce voilà, quand je me suis réveillée, c'était enflé comme ça. C'était enflé comme ça. Ça, c'était le premier. Maintenant, okay. Il y a le deuxième. C'est quand j'ai mis le sang de Jésus. Voilà, ok, attrape-toi là. Mm-hmm. Ah, c'est le deuxième. Maintenant. Mm-hmm. Voilà quand j'ai ouvert mes yeux, voilà mes yeux comment c'était.
Et le Dieu de papa Florian m'a guéri avec la serviette. Je n'ai pas fait de lait. Il est venu envoyer ses anges la nuit pour venir me guérir. Gloire à Dieu. Amen. Oui, vous avez un troisième témoignage? Oui. J'avais un ma patronne m'a envoyé d'aller faire achat au supermarché. Maintenant, derrière nous, il y a un raccourci. C'est là-bas que je passe. Donc, j'étais arrêtée au goudron. Je vois, il regardait de gauche à droite. Si la voiture, il n'y a pas de voiture. À peine de traverser, il ne sait pas où la voiture est quittée. Et la voiture a ramassé où j'étais arrêtée, au milieu de la route. Ça a ramassé, c'est rentré dans le cou des gens. Et moi-même, j'étais au milieu de la route. Et je disais, et si ce n'était pas le Dieu le Père Florent qui était derrière moi, ça allait se passer mal. Ça fait un mois maintenant que je suis arrivée. Ça s'est passé. Donc, toujours béni le nom de Dieu de Papa Florian. Il est avec moi partout où je m'en vais. Il sait que je n'ai pas encore eu ce que je veux, mais il sait qu'il te protège. Il me protège. Il est avec toi. Va me donner et il sera avec toi. Au nom de sa puissance. Amen.